Yo, salutations caverneurs caverneuses, ici Etsama et vous êtes sur Dragon Age Origine. Alors bon, où est-ce qu'on en était ici? Attendez, je regarde mon petit retour, si possible. Sais pas pourquoi, je regarde. Peut-être devoir relancer mon direct. Allez. Alors, attendez, on va relancer le truc. Donc, pendant que ça fait ça. Donc, on se rappelle, on avait fini les loups, enfin les loups-garous. Et donc, comme c'est bien ce que je pensais, normalement, fallait que je tue les elfes. Mais le problème, c'est que si je tue les elfes, ben, j'ai pas les ressources, c'est-à-dire les potions illimitées, ce genre de conneries. Donc, pour ceux qui se demandent, les ressources sont ici en fait. Vous pouvez aider la précédente ville. Allez, mon retour, amène tes fesses. Désolé, hein, c'est juste que j'ai du mal à reprendre. Parce que Mass Effect et Dragon Age, c'est. Ça peut être le même. J'attends. Et donc, on va faire un truc avant d'aller faire la quête principale. On va aller. Voir mon retour est bon. Mon retour est bon. Tu vois si on entendait bien récemment. Donc, on sort d'Alistair. Normalement, une fois qu'on aura ça, on pourra aller chercher son à Sten. Là, on va prendre la navette. Donc, on prend. On prend. Malheureusement. Oui. Alors, donc, on devait retourner. Oh. Voilà, on devait retourner ici parce qu'elle se trouve à Denerim apparemment. Reprenons. Où est-ce qu'on était? Compagnon. Voilà, faut que je reprenne mes touches. Alors. Est-ce que je suis dans. Alors. Très sanisseur. Ok. Que part. Ah bah. Quoi? Ah, avec la porte. Comment qui je que j'existe? Ah. Et à part il faut l'adresse. Je dis va. Nous devons. C'est ça. Allons-nous-en. C'est là. Petite sauvegarde. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est. Bon. Allons-y. Bonjour. Quoi? Linge à laver? Ça vous en trois pièces le ballot. C'est rien qu'une étrangère avec ça. Je suis pas faire linge. Alistair et. Ma question, sans doute étrange, mais. Êtes-vous Golden? Si je suppose que cela fait. Anna ou elle? Pour essayez-vous de me jouer? Après! Ah, ça, je vois quand même les ions à prendre, c'est bien parce que putain. Elle. Toi, je. Il m'avait dit. Bébé, mais je savais que. Et ils m'ont répondu qu'il est. Ils m'ont donné ma thèse, je le savais. Je suis désolé. Je parle. L'enfant n'est. C'est moi, Golden. Je suis ton frère. Relation. Chasser. C'est cette faute d'Alistair. Êtes-vous par le créateur? Je suis Dieu! Collé à ces frusques et lieux d'argentier. Oh, pas un elfe, je suis. Cet homme est un garde des. Je crois. Tout comme moi. Oh, mon seigneur. Un cornaqué par un garde des ombres. Mais Alper et moi, j'ai eu en retour. Rien. Je me suis bien fait avoir. Je n'aurais pas dû garder le secret. J'ai cinq bouches à nourrir. À moins que tu ne sois utilité. Je suis désolé. Je pas quoi dire. Eh bien, je suis ça. Tu n'es rien pour moi, Béjaune, sauf celui qui m'a arraché ma mère. Ah, la salope! Crois-tu que j'ai souhaité sa mort? Je ne l'ai pas eu. Pas eu la vie aussi facile que tu le crois, Goldana.
Oh, c'est sans doute vrai, Ata. J'ai 5 bouches à nourrir, pas de temps à perdre. Laisse-moi te faire cette Goldana. Tout mon possible, à qui il faudra dire que tes enfants aient à l'abri du besoin. Ce n'est rien de plus qu'une... Excuse-moi, résulté de bonheur. Je, Dana, rien faire de plus. Je veux partir. Au revoir, ma sœur. Waouh. Genre, ok, c'était... Genre, après toutes ces années... Salut. Espèce de sale bâtard. Au revoir. Eh bien, je ne m'attendais pas. C'est peu de le dire. Jean, mais... Ouais. Là, la famille que j'ai aspirée toute ma vie à... croire. J'espérais naïvement qu'elle m'attendage. N'est-ce pas ce qu'une famille peut faire? Je vais d'un sombre crétin. C'est marrant parce que je veux d'avoir des dans l'avenir, vous voyez, mais c'est pas un guide genre pour faire ça, mais on peut avoir. Et Pam se trouve juste devant nous là, avec une un arc de. Enfin, un arc. Il faut plus pour vraiment. Oui, je devrais. Raison. Il de nous attarder ici. Je ne veux plus en parler. Ok. Genre, toi, qu'est-ce que t'as fait, cinématique? Cours! Va-t'en, les petits! Tu m'avais manqué. Pour Camille qui... Camille n'est pas encore là, enfin, j'ai pas regardé le chat vite fait. Non, bah... Elle, pour ça... Oh, bon, regarde le... Tisana, acte de premier choix, en provenance directe dans... Vous ne trouverez pas mieux. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être lui envoyer, parce que peut-être qu'elle a oublié que je faisais un live. Alors, Camille, ouais, elle fait des... C'est... Alors... Une petite seconde. Merde, je vais faire. Voilà. Je sais pas si c'est quelque chose à faire ou quoi. Désolé. Bah, donc là on est au... Donc là il s'est donc il a monté le truc. Je pense que c'est une cinématique quand je retourne au camp. Alors il va là et faut que j'aille là. C'est une femme superbe. Je n'ai aucun mal à comprendre les raisons de votre choix. Ah oui. Ah merde. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui. Il faut que je fasse un truc. Il faut que je fasse un truc parce que en fait, il y a. Non. J'ai toujours en truc. Elle a chanté une chanson super belle. Je vais essayer de la. La beauté n'est pas à tout loin de là. Excusez pour toutes les choses horribles que j'ai pu dire. Ah, parce qu'elle m'a lancé un truc à la caisse. C'est... Ouais, moi alors. Et je ne souhaite que bonheur. M'a fait une scène de ménage. Je serai toujours là pour vous. Non, c'est pas toi qui t'es censé me... J'adore. Allez. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi. On va l'entendre chanter après. Alors, à quel sujet ? Lorsque nous avons quitté Goldana, vous m'avez dit qu'il était temps que je prenne mes responsabilités. Je crois que vous aviez raison. Il est grand temps que j'arrête de m'en remettre au jugement des autres. Si je n'apprends pas à penser par moi-même, à faire mes propres choix, jamais je ne serai heureux. Ouais. Je voulais pas vous influencer, Alistair. Non,
Tout ce que vous m'avez dit est juste. Je dois prendre mes responsabilités. Mais peut-être vous ai-je mal compris. Non, vous m'avez parfaitement compris. Bien. À partir d'aujourd'hui, mes choix m'appartiendront. Exactement. Enfin, personne ne décidera à ma place. Et là, c'est tu... là tu te rends compte, t'as fait une erreur, gros. Ça compte beaucoup pour moi, surtout en ces temps difficiles. L'amitié. L'amitié gay. Après vous, je vous en prie. Voilà. Bon. Alors. On va sauvegarder. C'est quelle musique Je crois que c'est celle-là, si je fais pas de conneries. Si je dis pas de conneries. Ah, attendez, hein. On va sauvegarder là. Normalement, si j'ai pas foiré, tant pis, si vous avez pas la musique, c'est pas grave. Vous allez chercher sur internet. Ok, bon, alors, on va charger 2 minutes. Alors, normalement, je crois que c'est celui-là, si je dis pas de conneries. Je crois, oui. Alors, on va recharger cette partie, ne vous inquiétez pas. Pas de panique. Pas de panique. Ah, j'ai 2 personnes qui rient. Il y a 2 personnes qui rient. Ok. Donc, normalement, si on lui parle à elle, elle va chanter. Puis-je vous aider ? Attends, Oui ? De quoi s'agit-il ? Attends, c'est évidemment, vrai que c'est ça. J'aime trop les histoires pour les garder pour moi. Selon moi, tout un chacun devrait attendez, pouvoir... Attendez, je veux juste que je cherche comment j'avais fait pour avoir la musique. Apparemment, non. Bien sûr, attends. Les Orlésiens raffolent des histoires. Il y a fort longtemps, avant que le... Aveli, elle savait manier l'épée aussi bien qu'un homme. Pouvait tuer un... Les Dallas, il lui... Non, c'est pas ça. Nulle femme... brisée à porte. Aveline cherche ainsi, mais la aveuglée par la rage. Il fit mettre Aveline, le fils du... Désolé, hein, si je passe, c'est parce que... Ce jour, ça, je l'avais déjà entendu, en fait. Honore Aveline, la brave. Par mon argent. Autant je... Dans le... Ainsi, mais il... le créateur, toute terre touchée par cette souillure, il... Ah, attendez, 2 minutes. Ainsi, elle savait manier l'épée aussi bien qu'un... Les... Babla, à l'époque, peut-être que je me répète. Il y avait une chanson. Un silence. Je sais plus ce que j'avais fait pour l'enclencher. Il fit mettre Aveline à genoux. C'est terrible. Lorsqu'il... Depuis ce jour, toute femme adoubée. J'en connais une que m'a raconté ma mère il y a bien longtemps. Elle m'a toujours glacé les sangs. En Ferelden, on dit aussi de Flemette qu'elle pleure sa... La... Blabla. Mais un jour, un jeune... Attendez, c'est pas ça. Putain, mais tu vas me raconter... est-ce que c'était aléatoire chez les barbares Chazind. Engendrant maintes filles sans... Il y a un jour, en vous, lorsque... Pour les tenir, hélas, ça... L'histoire dit que lorsqu'Alindra aura assez pleuré, elle pourra... Très bien. Après tout... L'histoire, comment ça... Laquelle... J'ai quelques connaissances de votre... Ah, yo, Jona. Mais mes informations sont peut-être inexactes et je ne voudrais pas vous offenser. J'ai appris... Lorsque alors, attendez, je passe, hein. Chartan fut pour ceux tué qui rejoignent. Yo, l'affreux. Yo, jeune. Les elfes revendiquèrent une nouvelle. Alors, si tu te demandes, passe, je viens de commencer. Juste, je vais allumer ma petite lumière, ça. Les elfes. Je cherche une chanson. D'autres farouches défenseurs de leur ère. Andra, ils. Mais ça. C'est pas ça. Andraste mit l'empire à genoux. Et ses victoires suivent. Lorsqu'Andra, le grand... Blablabla. Bla. Les elfes revendiquèrent une nouvelle patte. Ouais, d'accord. Merde, j'ai relancé le même dialogue. Je ne voulais pas, désolé. Farouches défenseurs de leur héritage, hélas... Andraste mourut sur un bûcher à Minrati. La chanterie, il plonge... Selon... Nous ne saurons jamais la vérité. Ah, attendez. Non, apparemment... VD Non. Bon, ben... apparemment, c'est aléatoire. Parce que, en fait, quand je lui ai parlé, quand vous lui parlez, elle vous chante une chanson. Et apparemment, c'était sauvegardé sur la mauvaise partie, mais ça m'étonnerait, puisque j'avais dit que je la mettrais en 5, et c'est bizarre. Chargé.
Lol, t'allumais, t'as peur du noir. Non, non, c'est juste pour la lumière du PC en fait que j'allume ma lumière. Juste pour ça. Je suis le. Alice, il y a même pas quelques secondes. Et elle, elle m'a fait une scène de ménage quand je suis revenu. Parent. Je vais aller voir qui a peut-être son mot dessus, peut-être. Regarde. Allez, un petit bisou pour la fin. Peu importe, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Nous sommes au camp, le moment s'y prête donc autre. Allez. Quel indécrottable romantique vous faites. Oh. Ce bisou. Oh. C'est parfait pour le live. L'objectif. L'objectif est très simple, les gars. D'abord, nous devons aller son. Ne faites pas panique à bord. Le sport, la vitesse. Ouais, c'est une chance. Alors, on doit prendre. Elle. Oui. Lui. Enfin, elle plutôt. Parce que. C'est un homme. Enfin, c'est une femme de la mission. Sinon, on peut... de toute façon, on s'en fout. On n'aura pas besoin. Bon. Alors, il faut que je me rende ici. Ok. Oui, bien sûr, on ne rentrera pas dans dans la tour des mages tout de suite. Parce que je tiens d'abord à faire les missions personnelles. C'est ce qui est le plus important, je trouve, au début. Alors, donc... Ah. Du balai, j'étais là le premier. Puis dans le... Pourquoi ? Vous voulez en acheter une ? Non, allez en chercher une. On avait Coup à quoi? Eh ben, pour être franche, j'ai pas d'épée. Cet endroit était déjà nettoyé quand je suis arrivé. Coup de gant que les loups n'avaient pas trop mâchonné. Jonah, enfin, comment ça va ton... ton mal de gorge? Je sais, je me suis fait avoir. Ça va mieux de le dire. Le gars qui était là avant moi, je le connais. C'est lui qui m'a vendu ce coin. Il a dit avoir trouvé des géants et des objets de valeur comme j'en avais jamais vu. Ce qu'il n'avait pas dit, c'est qu'il avait déjà tout pris, sauf les os et la... Il s'amenait. Un fumier de première, si vous voulez voir. Je sais pas si vous voulez, mais enfin... Il a dit qu'il retournait à Orzammar. J'imagine qu'il doit y être maintenant. Si vous le retrouvez, dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Il va en faire dans son froc. D'accord. Donc, comme voir, il faut aller là pour débuter la quête des mets. On va pas le faire tout de suite. C'est marrant, quoi. Les... Alors, on y va et on retourne à Oza. Attends, quoi? Attends, il a dit Orzammar? Bah. Putain, je peux pas aller Orzammar maintenant. Ah, shit! Ça va, j'ai plus rien, mais toujours. D'accord. Je regardais un truc parce que pourtant la soluce me disait qu'il était, il fallait que je retourne à Dinirim ou alors j'ai interversé les deux quêtes. Ah, attendez. Deux petites secondes. Je regarde. Où est-ce qu'elle est son épée de merde? Alors, blablabla. Attends, une épée. Alors, allez au... D'accord, parlez aux marchands... Au... Dorsal... Putain, je vais aller au Orzammar, putain... Ok, alors, des petites... juste changer de perso, parce que bon... Ce qui est un peu chiant, parce que bon... Menti, vous savez. Oh non! Sur les raisons de mon départ dans la... Putain, mais qu'est-ce qu'elle me veut? C'est bon! Tu... Je viens ici, tu m'interromps, quoi. Pourquoi? Je préférerais ne pas en parler. Ce qui m'est arrivé peut avoir des conséquences pour nous. Ou pas. Mais en tout cas, vous avez le droit de savoir. Bah vas-y. Si je suis venue en Ferelden et que j'ai trouvé refuge à la chanterie, c'est parce que j'ai... J'ai été piégée.
trahi par celle à qui j'avais accordé ma confiance. Ah ouais. Marjolaine. Elle était mon mentor et mon amie. Elle m'a enseigné le savoir des bardes. Mec qui comment se met... Oh, garde à vous. Chant, comment se comporter, se faire passer pour une simple servante que je tenais de mon mentor. Je les ai employés à son service parce que je l'aimais et que j'y prenais du plaisir. On pourrait dire que c'est ma faute. Je devais tuer un homme et rapporter à Marjolaine tout ce qu'il avait sur lui. J'ignorais de qui il s'agissait. Elle m'avait juste donné un nom et une description et je l'ai traqué. J'ai alors trouvé des documents scellés sur son cadavre. Ma curiosité a été la plus forte. Il fallait que je sache ce que renfermaient ces lettres. Lettres d'amour. Marjolaine, toute information sur Orlaïs à des pays étrangers, dont Nevara et Antiva notamment. C'était de la haute trahison. Dans ma vie de barde, j'ai appris à adopter un sens de la loyauté plutôt souple. Mon problème n'était pas qu'elle ait trahi, mais que sa vie serait en danger si j'étais prise. Orlaïs est en guerre larvée avec de nombreux pays. C'est une nation qui m'a avec ces choses, comme je l'ai découvert ensuite. J'aurais pu en rester là, mais je n'en ai rien fait. Je devais annoncer à Marjolaine que je craignais pour sa vie. Elle m'a dit de ne pas m'en faire. Elle a admis sa trahison tout en affirmant que c'était du passé. Raison qu'il fallait que ces documents soient détruits, selon elle. Je l'ai cru. J'ai continué à la croire jusqu'au moment où l'on m'a montré ces mêmes documents, contrefaits de sa main pour me désigner comme traîtresse. Oh oh. Qui ça, il ? Les gardes orlésiens. Ils m'ont capturée et m'ont fait subir que j'avoue et dénonce mes complices. Ah. J'ai subi un châtiment réservé aux traîtres. Et au bout du compte, tout ce qui m'attendait, c'était l'éternité dans une tombe anonyme. Au moins, Marjolaine n'avait pas perdu son temps en m'enseignant son art. Je me suis évadée à la première occasion. Je n'ai pas cherché à revoir Marjolaine. Si elle me soupçonnait de vouloir la retrouver, elle m'aurait à nouveau capturée. Ah, Ouais, Jonah. Ce que je te conseille, désolé de couper, ce que je te conseille, c'est de ne pas, commencer ta deuxième planète, d'abord aller sur Arval. Ouais, c'est ça. C'est la planète des d'origine, en fait. Parce que en fait, je t'explique, Arval. C'est plus t'as le temps de monter de niveau, de gagner en expérience avant d'aller sur la planète de glace. C'est un conseil que je te donne. Mais bon, t'es pas obligé de le faire, hein, bien sûr, tu peux faire dans l'autre sens. Hein. Mais moi, c'est ce que j'ai fait parce que vu que la planète de glace est un peu plus dangereuse sur Mass Effect Andromeda, que je parle bien sûr pour ceux qui sont sur YouTube, maintenant c'est comme tu le sens. Hein. J'ai été tentée de l'affronter. J'étais furieuse. J'avais été trahie. Mais que pouvais-je faire contre elle ? J'ai donc fui vers Ferelden, cherchant refuge auprès de la chanterie et du créateur. Ferelden a veillé sur ma personne. Et dire qu'elle, ça devient une chef maître espionne, quoi. Je me trouve ici. Ah, là. Je ne veux plus qu'il y ait de mensonges entre nous. Ah, mais t'es pas obligé d'y aller, hein, mais moi, c'est le conseil que je te donne si jamais tu veux correctement progresser. Et un truc aussi, retourne sur la première planète, parce qu'en fait, le niveau de radiation a baissé quand t'as quitté la planète. J'arrive, je vais prendre... Ah ouais, t'es médoc, ok. Votre compagnie a-t-elle une menace pour nous ? Merci de me faire confiance. Je me sens délivrée d'un fardeau qui me pesait. Merci de m'avoir écoutée et comprise. Ouais, dites-vous, j'ai gagné, c'est en fait... Alors, est-ce vous que... j'ai appelé. Vous ne m'envoyez guère surpris. Moins. Nul ne veut rester à sa place. Vos fermiers cherchent à devenir marchands. Les marchands rêvent d'être nobles. Les nobles... Désolé, hein, je voulais voir s'il disait... Ouais, mon épée, t'as quoi ? Elle est où ? Fort bien.
Comme vous voulez. Et on parle avec lui, on parle à un mur en fait. Au mur sacré. Ok, bon, on va sauvegarder. Parce qu'il y a beaucoup de blabla. C'est marrant, parce que c'est toujours elle qui me dérange, quoi. Parce que, dites-vous que, on avait joué, donc après, tu vois, j'ai fait des quêtes pour, enfin, simple, hein. Et elle était, Liliana, elle était en train de dire, ouais, vous devez choisir entre moi ou Morrigan, et elle commence, ouais, vous m'aimez. Tout ce que je lui ai donné, c'est des... D'ailleurs, est-ce qu'elle a... Attends, merde. Est-ce qu'elle a baissé en... Ah non, elle a pas baissé en truc. D'accord. Est-ce que ça... Attends, non. Ah, on a créé deux... Ah, c'est le truc qu'on... Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est clairement... et le chien. Parce que Zamar, c'est le truc le plus long. Ah, ok, bon. Et si vous n'y jamais, c'est là. C'est là où est Orzammar et je préfère y aller plus tard. Que des marches. Le mec est toujours là. Alors je sais que c'est là que je dois aller. Pas panique. On va prendre tout ce qu'il y a à prendre. Des sous. Oui. C'est quoi ? Des images. Vous êtes sérieux ? Attends, je les ai parlé ou pas? Voir. Salut. Une. Ok. Ah! Transformation en chien. Génie. Ah! Oh! Activé! Ça vous avez manqué à vouer. Vous avez manqué. Oui. Le truc est dommage dans Mass Effect Andromeda. Tu peux pas avoir dans ton. Famille. Comme ça, on sait jamais, hein. Alors. Oh, de quoi s'agit-il? Vous avez bien accès. Je dirais que quelqu'un d'autre d'Amar cherche. Alpha. Pardonnez-moi, garde les... Mais je ne peux pas vous suivre. Ah bon? Rire. Lâche-le. Ah, ça fait... Oh, mon dieu. C'est des tigres. Ah. Attends, parce que... Paix la ronde. Oui, j'ai un cœur... Avec une... Je dois scanner. Je dois aller. Attends, oui, je suis. Où ? À 80% du jeu ? Je dois scanner les corps. Je dois aller. Ah, je crois. Si tu parles. En fait, aléatoire, mais dans glace, vaisseau. Ça devait être un cadavre, mais vraiment aléatoire. En tourner sur la première. Le niveau de radiation a baissé. Et donc, les endroits. Net. Et... Maintenant, donc, toi. C'est toi que je veux aller voir. Pigre, je vois nipper comme le roi de Ferelden. Vous avez fait votre grève. Espèce de raciste. Je suis le passeur, enfin, je... Pourquoi ? Aucune idée, ils n'ont pas voulu me le dire. Grégor m'a juste tout sous vidéo. Contrôle que je vous dis. C'est tout. Un qui refile l'ici à... L'ici, ma vidéo. Bateau. Toutes les 30 secondes ? Attends, est-ce que ce serait mon GSM qui pose la question ? Tu vois, dis-moi, attends, Jonah, dis-moi si ça bug encore. Couper mon GSM. Enfin, j'ai coupé la connexion à mon GSM. Peut avoir ton live. Peut-être ta connexion, mais je sais pas. Attends, peut-être. Attends. Attends, vu que c'est. Attends. Attends. Dis-moi si ça bug encore. Le chevalier capitulier à la tour, brave type. Ah, le terre, on sait, si ça... Dans... ça doit venir potion qu'il dent. Gorm, c'est là le temps calme, mais si mon avis, on va calmer. Et alors, Gorm me dit de ne bouge pas. C'est tu vois les coupures. Bon, là, je peut-être mon GSM qui prenait la connexion. Oh, pour les mages, utile. Toujours pareil, je crois que c'est. Viens de chez moi. Ah, d'accord. Si mais si tu veux. C'est qu'il avait si haut confiance. Un seul truc, une première planète, tu veux le changement. Le devoir m'appelle, bonne journée, ok. J'irai pas juste. Disons que relation.
Le premier, c'est quelqu'un, Paul. Il faut t'acheter une connexion, gros. Toujours un poil distant, si vous voulez dire. Grégor, lui, a aimé discuter avec les petites gens. C'est un gars qu'on respecte, le Grégor. De même, portez-vous bien, surtout. Ok, on va faire. Ok, pas de soucis, ton micro. Mise à mort, ouais. Oui. Waouh, j'adore, tu apparais. Mur, ok. Ah, une mission. Mission pour... Oui. Hein, laissez-moi y jeter un œil. Pourquoi il fait pour mériter ça? Désolé, désolé. Ok, salut. Au revoir. Autre chose. Tête d'amour. Client louche. Déjà. Client mec. Non. Ok, client louche. C'est le premier le gars qu'on voit qu'on arrive. J'aimerais bien boire même en paix si ça vous dérange pas. À boire même si ça vous dérange pas. Camille, elle va... Ah, mais c'est truc. Ah, oh, mais c'est... Putain, t'as... par contre, attends. Excusez. Bah, la bière est... Les lits sont humides. Mais qu'est-ce que c'est ici? Ah, j'ai un... Mouillé à la campagne. Ténérim. Et quelques... m'a tué tous les bijoux que mon père avec l'argent gagné de son front. Eh. Mon père en est mort de chagrin. Mère ne s'est jamais remise de la mort. Et je me suis... la tête de l'auberge. J'ai gardé le nom par nostalgie. Je vais boire un verre. Que désirez-vous? Alors. Déjà. Ta merde, tu peux te la foutre. Ouais. Dégage. On le garde. Ça, on vend. Alors, les gants. On vend. Ah, merde, j'ai encore cette putain de truc de merde. Platitane. Non, putain. J'ai oublié de la foutre. Ouais. Va falloir que j'aille. Ouh, c'est quoi ça? Résistance au feu, non, c'est de la merde. Résistance, armure, non. Alors, qu'est-ce que t'as? Alors, les potions, on en a appel. On va juste prendre ça. Et ça. Mais on va, avant de faire la mission principale. Ouais, avant de faire la mission... Oh, il y a du vin, d'accord. Ok, avant de faire la mission principale, on va juste aller... Des trucs au coffre. Ce qui est... Vous allez me dire, j'aurais pu faire ça au début. J'étais en train de manger tout... j'étais assez... en retard. C'est pas maintenant, ne vous inquiétez pas, on va buter la quête. Hein. C'est l'une des quêtes que je déteste le plus. Hein. Matériel, vous allez voir, c'est... Oh, j'ai pas vu ça. Ok, on va juste aller mettre cette armure de merde. Là. Pic de soldat. On va se faire attaquer en même temps. Qu'une idée. Ouais. Salut. Ouais, l'arc, bye bye. C'est quel meilleur? C'est celui-là. Donc celui-là, on le barre. Ça. Potion, ça prend de la place pour rien. Et vu que je suis pas mal, ça me sert à rien. Alors. On va prendre que 20. Qu'est-ce qui me prend plus. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait le plein. On avait fait le plein. Tu. 59 de... Ah, mais j'ai aussi ça, punaise, j'avais oublié, j'avais tout ça.
Et j'ai les gâteaux. Livre de chant. Inspecter. Livre de chant. Hop là. On est à 44. Codex. Je sais pas si je peux les lire. Bon, en argent. Ok. Je vais voir si. Putain, je me trouve. Ah non. Ça sert à rien. Ouais, on peut le faire. Voilà. En fait, le livre de chant, je pense que c'est le moment où. Enfin, je l'ai reçu quand. Du machin, ce genre de conneries. Ok. Prêt à douiller, par contre, attends. Wind. Ah oui, d'accord. D'accord. Excusez-moi. Oh, yo. Fidèle au rendez-vous, comme d'habitude. T'en fais pas, je viens juste de commencer. Il y a eu deux cas, s'est fait resserrer les vis. Ouais, t'es pas un homme. Ouais, je suis un homme. Et il s'est fait engueuler par sa sœur. C'est moi, je suis ta sœur. Je suis ton frère. Ouais, ta gueule, bâtard, tu restes un bâtard. Voilà tout ce que t'as manqué. Et ça va, sinon, net, pour information, j'ai fini Mass Effect. Enfin, je dirais pas que. Quand tu finis l'histoire, t'as vraiment fini parce que il n'y a aucune réponse qui est donnée à ce que tu t'attends à avoir. Et sincèrement, j'adore ça parce que ça te dit que les prochains les DLC vont t'emmener plus loin. Et ça, c'est génial quoi. Je suis à 108 heures de jeu et il me reste 4 tâches à faire. Pour l'une des tâches, c'est. La boîte noire pour Pibi. Je ne sais pas si tu as fait la quête de loyauté de Pibi. Un conseil à la fin de la mission de Pibi. Je te conseille de tirer sur la main de son ancien ami pour récupérer la boîte parce que moi il me manque une boîte et c'est celle-là. Elle est tombée dans la lave. Donc voilà. Si jamais tu pourras me dire si jamais toi tu t'as la connexion saute parce que Jonah qui est parti. Il a dû partir parce que la connexion sautait. Donc, est-ce que tu peux me dire maintenant, est-ce que tu vois des coupures sur le live? Si jamais tu as une bonne connexion, bien sûr. Parce que pourtant, j'ai une très bonne connexion, j'ai rien qui pompe. Juste pour savoir. Donc, je vais attendre que tu répondes, parce que je dois attendre au moins 10 secondes avant que tu répondes à tout ça. Ok, mais pendant ce temps, tu es sûrement en train d'écrire. Ah, salut, ça va? Encore vous? Vous n'avez pas l'intention de vous rendre à la tour, j'espère. Parce que j'aime autant vous prévenir. Mes ordres sont... Personne ne parle. Comment c'est fait, Kadaras? Merci du coup. Oui, de temps en temps, ça saute, mais là, ça va. Ah, ok. Sinon, un conseil. Sur la planète des Krogan, je te déconseille de... Enfin, tu vas avoir un choix. Soit tu donnes le moteur au Krogan, soit tu le gardes pour toi. Donne-le au Krogan. Parce que sinon, tu ne pourras pas faire d'avant-poste. Et tu ne pourras pas avoir le 100% du jeu, en gros. Enfin, du jeu, façon de parler. C'est ça qu'il faut vraiment penser. C'est que si tu prends le moteur pour toi, tu ne pourras pas installer d'avant-poste. J'espère que tu leur as donné le moteur. Alors, je viens acquérir l'aide des mages. Garde des ombres, hein ? Prouvez-le. Et les documents, hein. Prouvez-le. Des engences. Allez, montrez-moi comment vous les gardez, ces ombres. Des mots, tout ça. Bon, ça suffit. Ah, ok.
Laissez-moi lui briser quelques membres inutiles. D'accord, bah c'est bien que tu l'as redonné. Comme vous le vouliez. ouais, s'il vous plaît. Eh bien, bon allez, venez. Vous êtes prêts? On va rager ensemble. L'une des plus chiantes du jeu. Et franchement, quand on sera... dites-vous que je pense pas faire le matériel dans cette vidéo, parce que sachez que c'est long. C'est long, et tout ce que vous allez voir, c'est un rat. Voilà. Et je monte la garde en permanence devant la porte, par groupe de deux. Ah oui, si jamais ça coupe tout le temps, je pense que je vais aller sur BIM. Mais il faut que je règle le problème parce que j'arrive pas à voir mon retour et j'ai pas d'image en fait, c'est ça qui est le gros problème. Qu'est-ce que nous faisons face à une situation très délicate. Pour votre sécurité, veuillez partir. Ah non, je me dette envers... Depuis le début, les gars trouvent cela agaçant, mec. Les suffisent à grand-peine quand ils sont indisposés. Ils sont indisposés. La tour n'est plus sous notre contrôle. Abomination et démons rôdent dans la tour. Le cercle n'est plus. La tour est perdue. Ça vient de sauter. Putain! Pourtant, ça vient pas de moi. Je vous le jure, ça vient pas de moi. Hein. Liberté des Verim est requis des renforts, ainsi que le droit d'oblitération. Le droit d'oblitération autorise les Templiers à neutraliser un cercle de mages. Complètement. La situation est désespérée. Pour y remédier, nous n'avons d'autre choix que d'aller en dire tout ce qui veut meurt dans la avec l'appel du... Appel d'Aigle. Yo, ne t'inquiète pas, je fais avec. Ouais, bah je suis désolé parce que ça doit venir. Parce que moi, ma connexion, elle est. J'ai aucun problème. Je vous jure, j'ai aucun problème. Et yo, Camille, au passage. Alors, les mages donc, ne sont pas dans. Certains ont dû survivre. Alors, je n'ai que nettoyer la tour sans attendre. Alors, sachez que le choix que je vais devoir faire. La première fois que j'avais fait le jeu, j'avais libéré les mages. Donc va falloir que je ferme les mages en fait. Et donc je dois tenir du côté des Templiers. Ah, ça va me faire chier. Je puis vous assurer qu'une abomination n'est pas à prendre légère. Or vous allez en affronter plus d'une. Alors. Si vous y parvenez, j'aurai une énorme dette envers vous, au point de rallier mes Templiers à votre cause. Si Denerim ne répond pas, ce sera. Les Templiers, je les aime pas, quoi. Les mecs, dès qu'ils voient une tête, ils font ah, mage, ah, mage. La chance est un noble but. C'est entendu. Encore une chose. À l'intérieur, vous n'aurez pas d'échappatoire. Les grandes portes doivent rester. Je refuse d'ouvrir à quiconque sans avoir la preuve que tout risque est levé. Ouais, là on va je s'amuser. Je veux entendre le premier enchanteur en personne. Camille, tu peux me dire si ça saute de ton côté le live, parce que c'est la deuxième personne où ça saute. Et pourtant, moi j'ai rien qui connexion, ça je comprends pas. Donc ça doit sûrement venir de Twitch, hein, je vous jure. Mais comme j'ai dit, normalement, je vais faire la prochaine fois, normalement, hein, sur BIM, le système de stream de la Xbox. Et là, j'ai vu que il n'y a pas de 10 secondes, genre, je dois attendre moins 10 secondes avant d'avoir votre réponse. Donc, je vais essayer d'aller sur personnellement, donc si jamais vous voulez pour pouvoir en chat, n'hésitez pas. Mais pour l'instant, il faut que je règle le problème. Vous avez déjà vu une abomination? Moi, ouais. Ouais. Je m'en souviens de fin de mes jours. J'en ai vu justement là. Une armure, t'arrives encore à parler.
Ah ouais, Camille, t'as je t'ai fait un hommage vidéo, je suis allé voir Garus. Le nain. Contre le maître. Nous allons être libres. Pas combien de temps encore nous tenir. Mais là, j'ai d'ici les nations et les démons. Ah oui, c'est refus. Si vous voulez que... Attends, est-ce que j'ai entendu ça plus souvent qu'avant? Sérieux? J'ai rien, quoi. Absolument rien, ça me fait chier. Oh, chier, là. Putain, c'est... C'est chiant. Bah, de toute façon, je vais pas live trop longtemps. Attends, si vous voulez commencer, ce serait bien... Désolé, attends. Lui que je dois aller, là. J'ai vu une abomination. Donc, moi, les mages, ils sont... Je vais jusqu'à la fin de mes... C'est approprié. Les hommes qui ont renoncé à leur liberté. Donc lui, c'est... je m'attendais que ce soit plus grand. Donc ça saute. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je... Est-ce que ça me fait que bon, si vous n'avez pas à voir correctement, c'est un peu con. Non, ça saute. Ah d'accord, d'accord. Il y a moins de sauts. C'est ça que tu... D'accord. Ok, bah... Qu'est-ce que je continue un petit... continue un petit peu. Parce que ça fait que 50 minutes, 37 minutes. Bon, vous êtes... Putain, on va affronter des faire chier, quoi. Je déteste les mages. Je déteste les mages. Il faut que je regarde à combien j'en suis. Nous allons être à court. Je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons tenir. Pour commercer, ce serait utile aussi. Okay. Ah, d'accord, c'est commercer, putain. Attends, montre. Magie. Ah, c'est de la merde. Je croyais que t'avais des trucs plus intéressants. Ah, j'ai un bâton plus puissant. Ah, par contre, toi, tu te fais, hein. Intéressant. Résistance magie physique. Lequel je pourrais mettre? Spirituel ou magie? Ah, attends, au sort. Résistance au sort. Bah spirituel et sort, ce serait quand même mieux puisqu'on va affronter des mages. Donc ok, on prend ça. Y a pas pour l'autre saisie. Ah bah bien sûr, il y a un bâton. Mais bien sûr, il y a le bâton le plus cheat. Enfin, t'as le prix quoi, le prix 128 pièces d'or quoi. Mais oh. Et celui-là, il fait quoi? Magie 1. Ok. Est-ce que t'as attaque plus... t'as... Ouh, attends. Bah, ok, c'est le même. C'est le même. Attends, je regarde. Ouais, c'est le... Ouais, c'est le même. Ok, d'accord. Ok, voyons voir si t'as pas... Putain, le prix, quoi. Putain, le prix. Et ça fait quoi? Tribu plus 2, résiste. Wow, c'est chute. On va quand même prendre ça. Et ça. Alors. Ah, oh, putain. Oh, pour les mages, ouais. Recette. Pop. Je regarde. Sac à dos, pff, ouais, hop là, sac à dos 120, wouhouhou, Rennes va plus, et ça c'est quoi? Oh, un sac à dos, voilà, on a 120, yeah, c'est si cool. Bon, t'as vu la vidéo? Oui, j'ai vu Camille, oui, j'ai vu. Elle fait moins peur, elle fait moins peur. Par contre, donc Camille, animation, j'ai fini, donc ma... quand tu vas voir, hein, sache qu'il y a beaucoup de questions que tu n'auras pas, sache-le, beaucoup, et rager parce que je pense qu'il faudra face à face. Et sache que moi,
je prends la fin Mass Effect Andromeda comme une fin de chapitre, simplement. La suite, et sincèrement, la suite, ce sera en DLC, parce que tout ce que, enfin, tout ce que ça a la fin, tu t'attends à avoir plein de réponses, hein. Attends, je vais faire une deuxième sauvegarde, parce que j'ai... Tu t'attends donc à ce qu'on te dise tout, mais en fait, tu ne vas rien savoir de... Et, parce qu'il y a un choix que j'ai fait dans Mass Effect, où je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose avec cette personne, et en fait, elle a complètement disparu. Elle a complètement disparu. Mais, donc voilà, quoi. Et tu veux savoir, j'ai terminé juste en 8 heures. Ferme les portes. Ouais, c'est fermé, les gars. Ils sont foutus. Genre non, ils vont mourir depuis le début. Ils sont destinés à mourir. Et des vrais ennemis ne sont là. Et le pire, c'est que attention, ceci n'est qu'une ceci n'est que mon avis. Les ennemis ont créé le fléau. C'est tout ce que je peux. C'est tout ce que n'est pas un problème, puisque on le sait pas, on sait pas. Et moi, ça m'a fait rage. Les révélations de la fin sont vraiment... Je vois quelque chose d'intéressant. Continuer. J'ai reçu. Je sais pas ce que j'ai reçu. Ça a lancé quoi comme quête? Ça a lancé quoi? Le cercle des mages. Alors, permis à une apprenti à découvrir une force. Toutes les notes d'apprenti. Ah, d'accord. Ouais, il faudra suivre la quête en fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Stop! T'en fais pas, Net, je ne divulgue pas d'informations qui pourraient te dire « Ouais, c'est bon, tu m'as spoilé ». Non, non, non. C'est un avis. Un avis sur ce que tu apprends du début, en fait. Au début. Qu'est-ce que le fléau, machin. Ne t'en fais pas. Je ne t'ai rien. Je ne t'ai pas spoilé, si tu veux savoir. Mais le jeu, franchement, a vraiment des bonnes surprises. Il y a même des quêtes. Sachez-le, j'ai fini le jeu. Et j'ai eu des quêtes que je n'avais pas trouvées. Je suis tombé sur deux quêtes que je n'avais pas trouvées. Je suis OK. Et si jamais vous voulez savoir, je suis à 92%. Enfin, j'étais à 98%. Mais quand j'ai trouvé les quêtes, je sais pas, je suis repassé à 92%. Et bizarrement, en fait, quand vous finissez le jeu, vous pouvez retourner dans les caveaux. Et les caveaux sont ouverts. Et j'ai fait la connerie parce que je voulais absolument voir si je pouvais pas récupérer... des objets, et en fait j'ai fermé la porte du caveau, et je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai pris les quêtes, que c'est je suis redescendu à 92, ou c'est à cause des quêtes que j'ai trouvées, quoi, mais c'est ces deux quêtes que j'ai trouvées comme ça, quoi. Ok, donc là, on a des morts. Beaucoup de morts. Pour l'instant, il y a... C'est fait. Ça vous va? Ah, d'accord. Mais sincèrement, ce Mass Effect là m'a tellement. Je retiens mon bras de faire un New Game Plus juste pour faire les bons choix. Mais je vais attendre qu'ils améliorent la personnalisation de personnages d'ici un mois ou deux, parce que ça, ils l'ont dit, ce serait gratuit la personnalisation. Il y a déjà une mise à jour, c'est déjà pas mal, ça a corrigé quelques bugs. D'ailleurs, le bug sur la première planète, Camille, que je te disais avec l'ordinateur, là, il a été corrigé, je suis content. J'ai pu terminer la quête, je suis vraiment très très content. Par contre, j'ai une nouvelle qui a bugué, et ça me fait chier parce que je peux rendre la quête,
Mais en fait, désolé hein, si je tourne autour, si je vérifie pour les notes, je peux rendre la quête, mais en fait, quand je la rentre, ça met le personnage au-dessus, donc enfin l'icône d'au-dessus où je dois rendre la mission. Et quand je veux voir dans mon truc de quête, ça me dit rendez la mission, alors que ça dit pas genre vous avez fini la mission, tu vois. Et je comprends pas pourquoi. On va sûrement avoir une scène de combat. Je comprends pas pourquoi je peux pas la rendre. Ça me fait chier parce qu'il me reste quoi? Il me reste 4 tâches à faire. Et c'est des systèmes aléatoires. Désolé, je regarde. Y'a pas moyen d'aller à gauche normalement. Ah non, non, on est parti de là, d'accord, ok. Premier étage. Attends, j'ai passé le premier étage là? Attends, t'es sérieux là le... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah d'accord, il faut que je... Ouais, d'accord, il faut que je passe... Ok, ça va, c'est moi qui me... Par contre, quand ça saute, j'ai... Ça fait plus longtemps, lol. Ah rien. Je vais aussi pouvoir le faire. Quoi? C'était le dernier. Ouais, ça peut pas finir comme ça parce que, en fait, c'est. Tu. La fin, en fait, c'est pas une. Enfin, je ne vous inquiète pas, je ne spoil pas. C'est disons que c'est pas une fin. Enfin, c'est un objectif que tu accomplis, mais tu te dis que ton but, c'est d'explorer, de trouver ta terre de foyer, tu la trouves pas pour l'instant. Je vais vous terrasser sur place. Wow, tu vas te calmer. Doubleuse qu'on connaît, bien sûr. Win. Je suis mage du cercle, mais je vous retourne la question. Que venez-vous faire ici? Les Templiers ne laisseraient pas rentrer n'importe qui. ouais, c'est une fin. Enfin, c'est une fin ouverte, mais en fait, tu crois que tu vas avoir des réponses à la fin. Mais en fait, on te dit, tu croyais que t'allais avoir ta réponse? Bah, en fait, non. Et franchement, c'est une bonne fin. Enfin, c'est une bonne fin. C'est une bonne fin de chapitre. C'est comme ça qu'ils appellent, parce que ils l'ont dit dans la prochaine mise à jour qu'ils feront dans quelques mois, ils vont rajouter des chapitres. Et pour moi, cette fin, c'est la fin de chapitre. Ce n'est pas la fin du jeu complet. Quelqu'un dit, ouais, j'ai fini Mass Effect, Andromeda, cette fin, le bof. Tu dois lui dire, c'est pas la fin. D'acquérir l'aide des mages. Et l'on vous a dit, je suppose, que le cercle n'était guère en mesure de vous aider. Mais franchement, la les Templiers vous ont-ils laissé la fin, moi j'ai bien aimé. S'apprête-t-il à attaquer la Par contre, comment dire, un conseil, armez-vous d'une arme avec beaucoup de munitions. Non, il y a tellement des renforts. J'en déduis néanmoins qu'ils en ont fait la demande. C'est ce que je craignais. Quel autre choix avait-il? Gregor a donc perdu tout espoir de sauver le cercle. Il doit s'imaginer que nous avons tous péri. Ils nous ont abandonnés à notre sort, mais même piégés ici, nous avons survécu. Si toutefois ils invoquent le droit de l'altération, nous ne pourrons leur résister. Pour rester simple, disons qu'une révolte a éclaté, menée par un mage nommé Uldred. Et je suis content parce que dans le générique de fin, c'est le générique de fin en x8 si jamais, il y a une musique de Mass Effect 3 ne se sont pas déroulées comme il avait prévu. Que sincèrement, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Mais je suis certaine que tout cela est de son fait. Je refuse de voir le cercle tomber devant leur. Mais non, franchement, le jeu, 108 heures de jeu, je me retiens de continuer de faire une New Game Plus. Parce que oui, vous devez savoir, c'est que je croyais qu'il y avait que 100 niveaux. Mais j'ai un ami qui a fait un New Game Plus. Il est déjà au level 121. Donc je sais pas combien il y a de niveaux, mais je pense qu'ils ont fait en sorte que tu puisses mettre toutes les compétences comme ton père au tout début, quand tu le vois en train de switcher avec toutes les techniques et tout ça. J'ai érigé une barrière sur la porte menant au reste de la tour. Pour que rien de ce qui s'y trouve ne puisse... Le fusil d'assaut que je peux conseiller...
Si tu veux, je te le dirai après le live. Lequel j'utilise, qui est vraiment bien, qui tire comme un peu comme un sniper en gros, qui a une bonne cadence de tir. Je te donnerai le nom après net si tu veux. J'irai sur le jeu. Je dirai lequel j'ai parce que pour moi c'est le meilleur en termes de fusil d'assaut. Alors, entendu, je vais vous aider. Lorsque Grégor verra que nous avons pacifié la tour, j'ai bon espoir qu'il ordonnera à ses hommes de reculer. Il n'est pas déraisonnable. Alors, n'accepte pas si le premier chanteur ne lui donne pas l'assurance. Alors notre voie est toute tracée. Nous devons sauver Irving. Petra et Kinnon veilleront sur eux. Si nous détruisons tous les ennemis sur notre passage, ils ne courront aucun risque. Tenez-vous donc à aider cette institutrice aux airs de Sainte-Nitouche à sauver ses pitoyables substituts de mages ? Et c'est pas elle qu'on peut recruter. Ils se parquaient comme du bétail sans réfléchir. Et voilà que leurs maîtres ont choisi d'abattre le troupeau. Je crois que c'est elle qu'on peut recruter comme mage. Je dis pas de conneries, Camille. Je crois, hein. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est elle qu'on peut avoir comme... Normalement, elle, je peux la recruter parce que j'ai fait le choix de pas mettre le sang... Enfin, de pas transformer le sang d'Andraste en sang... Enfin, les cendres en de la merde, quoi. Et dès là, si les choses avaient été différentes... Sinon, ça repart. Ouais. Regardez les dons, ces esclaves de la chanterie. Ils sont dénués de tout respect envers eux-mêmes, envers leur propre pouvoir. Pourquoi alors devrais-je les respecter ? Assez, gardez votre fusil. Ils ont tous ce respect. Oh, allez. Je sais que... Je sais que... Là, je sais pas quoi. Est-ce que je mets la 3 ? Attends... Comme il vous plaira. Petra, Kinnon, occupez-vous des autres. Ah, c'est pas grave. Win, vous êtes sûr que ça ira ? Par contre, si ça annonce la mission dans l'immatériel, je la fais pas là-dedans. Hein. Oh, je suis pas prêt, moi. Les autres ont plus grand besoin de ta protection. Ne crains rien pour moi. Reste là avec eux, rassure-les et veille sur leur vie. Si vous êtes prêts, l'heure est venue d'agir. Ah oh non, c'est l'immatériel. Oh, ah, et là, c'est... Non, pas elle. Non. Alors, déjà, on prend elle. Ouais. Et le chien, bah non, bah... Ouais, donc c'est ça, ouais, pour l'instant. Ok, let's go. Alors, elle a désapprouvé de 3, c'est pas trop grave. Apprenti. Je comprends rien à la magie. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Je suis heureux que certains gardes aient survécu. Mes condoléances pour la mort de vos frères d'armes. Attends, toi, je t'ai pas déjà vu, toi. Nous savons ce qu'a fait Loghain. Le tiers d'un traître. Je ne m'en serais jamais douté. Wyn était à Ostagar. Elle nous a tout révélé. C'était sa tenue qui me fait penser à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Je crois que c'était le mec que j'avais exécuté. Prenez garde à vous, Séan. Je dis what? Je te connais. Alors Petra, je peux te poser des questions? Je ne sais pas si elle est d'attaque, surtout après. Enfin, je m'inquiète. Ah, cette doubleuse! Après quoi ? En me rendant à la bibliothèque, j'ai entendu un cri et un démon a surgi au détour du couloir. Ses yeux flambant de haine. J'étais persuadée que ma dernière heure était arrivée. Je crois que sous le coup de la terreur, j'ai hurlé. Et soudain, Wyn était devant moi pour me protéger. La suite n'a été qu'éclair et flamme, sang et chaos.
quand tout s'est calmé, le démon était mort, mais Wynne aussi était inerte. Sur le coup, je me suis dit qu'elle... elle nous avait quittés. Non. J'avais à peine esquissé un geste pour l'aider qu'elle est revenue à elle. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si elle était morte pour moi. Mais non, parce qu'elle est, elle est là, elle est avec nous, elle écoute, hein, elle écoute. Prenez bien soin d'elle, d'accord? Elle est peut-être en parfaite santé ou peut-être qu'elle n'est pas tout à fait remise. Merci. Merci encore de nous avoir aidés. S'il te plaît, pas dans l'animateur, elle n'est pas tout à fait prêt. Je suis pas prêt. Vous ne deviez pas vous attendre à ce genre de spectacle, je me trompe? Je vois ça comme notre punition pour être devenu mage. C'est pour cela que les Templiers doivent... Bon, lui, ça fait 70. Leur glaive est comme l'épée de misère qui a arrêté. Bah, faut voir si je rentre déjà dans le matériel. Je ne sais plus. Andraste a été tué par la sottise et l'orgueil de l'humanité. Nous devons expier notre... Nous devons laisser les Templiers venir à nous. Alors seulement nos péchés seront lavés. En gros, tu veux que tous les mecs en armure te passent dessus, quoi. D'accord. Je vais prier. Puissions-nous quitter notre dépouille viciée et trouver la sérénité auprès du Créateur. Ah, il y a un coffre là, j'avais pas vu. Ah, attends, stop. Est-ce que l'autre, on peut l'équiper? Oui. Ah, t'as un bâton quand même plus puissant. Merde. Ah, le bâton, je l'ai pas pris, merde. Bon. Ah, ça fait chier. Ah, j'ai même pas mis... merde. Bâton de fer. Ok. Attendez, j'ai même pas mis l'arme... Voilà. Bah, je l'avais pas acheté. Ah, j'ai peut-être fait l'erreur de pas... Ah, si, ça va. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais son arme, je l'avais pas pris. Ok, bon. Je suppose que tu veux que j'aille par là. Ou par là. Non! Je dois avouer que je ne suis pas peu fier de l'avoir maintenu si longtemps. Attends, vous avez fait... Plus d'une fois, j'ai failli céder à l'épuisement. Merde, je voulais aller à côté. Mais je savais que notre salut dépendait de mon endurance. Attendez-vous à tout. Je ne sais quel monstre rôde au-delà de cette barrière. D'accord. Pouvons-nous commencer? Un instant, je suis pas encore prêt. J'imagine qu'en effet, il vaut mieux prendre... Ok, blablabla. Attendez, je voulais juste voir ce qu'il y avait là. Non, c'est porte pas... métallique. Ok, d'accord. Lol. Bon. Normalement, je pense que l'immatériel, c'est à la fin, si je ne m'abuse. Ok, bon. Vous êtes prêts? Pouvons-nous commencer? Sachez que quand j'arrive à l'immatériel, je coupe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Je peux rentrer? Tant qu'il disait... Ah. D'accord. Je voile ainsi ma férocité naturelle. Alors... Ouh, putain! Salut! Laissez-moi respirer un peu, d'accord? Mais c'est moche! Je m'y mets. Ah, putain.
putain, ils explosent comme des connards. Alors. Je crois que genre au live, ça saute comme ça parce que c'est. Alors, attendez. J'ai oublié d'arriver en fait. Est-ce que je peux pas lui mettre des points Ah non, je peux pas lui mettre. Ça m'étonne. Attends, elle est déjà niveau 15, elle. D'accord, je pensais que je pouvais lui mettre des points. Ok. Je m'y mets. Hop là. Alors, attends. Je suis... Ouais. D'accord. Ah non, c'est vrai. C'est ici qu'il faut que je trouve. Je crois que c'est ici qu'il faut que je fasse... Ah. What? Invocation du deuxième. Ah, ok. Oh, t'es sérieux? Hein? C'est quoi ces conneries? Attends, quoi? Oh non, putain, pas un truc! Attends. Ouais. Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Un peu de subtilité n'a jamais fait de mal à personne. Putain, non, je vais vous faire ici pour le. C'est votre arme. Lui de face ici. Ah, attends. Non. Eh, je sais plus ce qu'on va faire en fait. Lapin, je sais. Non. Ça. Vous parlez. Mais. Où ça? Attendez. Attends. Je crois que je dois lire les livres, mais je suis pas sûr. J'ai trouvé un recul. Ok, et je peux pas savoir dans quelle heure, je suppose. Non, c'est pas ça. Non. Ah, peut-être. Ok, si je mets de la vie. Mais ce qui est bizarre, c'est que... Ah, peut-être... Non. Non. Ah. Apparemment, c'était celui-là. Ensuite, c'est lequel? C'est pas celui-là. C'était celui-là. Non, c'est pas celui-là. Oh putain, t'es sérieux? C'est pas celui-là. J'y vais au pif hein. Parce que... par le vent. C'est pas celui-là. Ça me sert à ça. Bah... si c'est... c'est celui-là. Ok... J'ai pas envie de tout ça. Il... mon il... Ok... Marque. Bon bah je sais quel le... Ok, bon bah on s'occupera de ça plus tard parce que bon. Je sors du monde. Les boys. Et du coup. T'as mon personnage qui fait les bons personnages. Ah, ça fait hâte, vous êtes pas.
lag, c'est ça? Je sais pas, c'est rare, j'ai eu... J'ai eu ce... Je sais pas. Je sais que dans la première partie, j'avais fait... Qu'une idée. Ça, le reste du cercle est quelque part à faire... Ah, tu vois? Non. Je sais pas. Trésor, mais... Ah. Truc en joue. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez? Mais c'est pas toi que je veux parler! Cadavre! Un mot. Oui, qu'y a-t-il? L'opportunité se présente dont nous avons tiré parti. Ah non, pas. Ma mère a jadis été délaissée un grimoire par un chasseur templier. Oui. Bien avant ma naissance. Mais aujourd'hui encore, Flemette bouillonne en l'évoquant. Étant donné la déliquescence sacrée du cercle, le moment me semble fort opportun pour leur reprendre âge, car ils n'ont pas. Je tâche de retrouver. Parfait, nu m'intéresse si vous venez à mettre la main dessus. Toutes fins utiles, sachez que le grimoire est relié de cuir et orné du symbole d'un arbre sans feuilles. Bien sûr, si vos recherches sont infructueuses, je saurais faire contre mauvaise fortune bon cœur. Alors, j'ai récupéré. Par contre, je sais plus où est son. Il est pas dans la bibliothèque, son. Ça me fait chier parce que je sais qu'il est quelque part, mais je sais plus s'il est dans. Camille, tu pourrais m'aider pour ça. Attends, ou alors je vais aller. Je ne sais plus où est. C'est à partir de la bibliothèque qu'on le trouve. Alors, quête. Alors, tu peux m'afficher la quête, s'il te plaît. Ouais, non, c'est pas ça que je. Alors, prenez le. Alors, prenez le grimoire de Flemette. Ok, donc c'est sans doute à la fin. Sans doute. Apparemment. Dans le bureau du premier... Ah, d'accord, ok, merci. Par contre, ça, je sais pas comment... Comment le faire, en fait. Ah, il s'est activé. Non. Toi aussi, tu es activé. Voilà, tout a été activé. Toi pas. Ok. Et toi, tu t'es activé? Non. Donc normalement, c'est... je crois que c'est dans un cercle précis. Ok. Non. Ah putain. Non. Ah, fuck it, je sais pas, c'est dans... Je sais pas, c'est dans le... direction qu'il faut le faire, c'est pas trop grave, c'est sans doute un coffre de merde qu'on gagne à la fin, de toute manière. Bon, ben, on y va. Ça va, ça saute pas trop, hein, parce que bon, ça fait chier que vous voyez une fois sur deux. Par contre, l'immatériel, je sais plus à quel moment, parce que je vous dis, avant d'aller dans l'immatériel. La chambre de Wayne est toute proche. J'espère qu'il est bien. Ah, on arrive dans les matériels bientôt. Et d'aller dans la réserve, s'il vous plaît. C'est un vrai Capharnaüm. Je n'ai pas eu le temps. Qu'est-ce de la que rendre. Tu qu'est-ce que vous un peu de mais là, les guerres aisées. Tenter de sortir, j'en ai eu l'occasion. Je suis heurté hier. Pouvoir la franchir, vaincre à mes occupations.
Oh, j'ai pas remarqué, ils ont tous les deux la même. On n'ose prendre que les golems ne savent pas prendre autant. Autant. Oh oui, vous auriez dû nous avertir. Je vous ai la porte. Je suis en terrain mouillé dans la réserve. Je préfère rester là. C'est un apaisé. Les apaisés n'est pas d'émotion. Et comme je dis, il y a. Savoir amourir. Attends. Que la tour a son état normal. Ouais, je sais. L'aurait déjà oublié. Peut-être à tous nous sauver. Parce que bien sûr, je vais devoir faire Dragon Age 2. Ce Dragon Age 2, c'est celui que je déteste le plus. Mais bon, voilà quoi. Mais bon. D'ici là, est-ce qu'on finisse celui-là un jour? Le mage Nihal. Il est venu ici avec un petit groupe. Prendre la litanie d'Adrala. Mais c'est une protection contre la domination mentale. Y a-t-il de la magie du sang à l'œuvre? Je ne sais pas. Nihal a assisté à la réunion. Il doit savoir. La magie du sang, c'est ce que je craignais. Il nous faut trouver Nihal. La magie nous donnera une chance de combattre les mages du sang si nous rencontrons. Je vous souhaite bonne chance. Peut-être retrouverons-nous bientôt la tranquillité du quotidien. Au revoir. Quoi, c'est... Ouais, c'est la fin du monde. Oh, oh. Zut alors. Un portrait. Ah, bah attends quoi? Attends. Ah, le portrait était... J'ai cru que le portrait était accroché. J'ai fait putain, je suis un voleur, ça y est, vas-y. Le cadavre, il avait un portrait. Il voulait refaire... Attends. D'où je viens? D'où je viens? Je viens de là, moi? Ah, d'accord, non, c'est ça, d'accord, il y a... ouais. Et ça, c'est quoi? Ah, on peut pas aller. D'où je viens? Rez-de-chaussée. Ah, je me suis perdu à cause de la cinématique. Ah, la note de l'apprenti. Le cercle n'est pas le premier à avoir atteint les matériaux. Ennemi en vue! Ouais, oh, bah vous attendez, hein. Ma tâche est accomplie. Hop! Et on fait des trucs ici. On a trouvé une cachette! Un peu de subtilité n'a jamais fait de mal à personne. Là, je croyais que c'était des gars qui parlaient et tout, mais non. Laissez-moi respirer un peu, d'accord? Tiens, mange! Mange! Mange, ange! Mange, mange, mange! J'allais écrire en jante, mais. Ah, c'est dommage! D'accord, dommage de sang en plus. Ah ah! Tu es, t'es l'heure, tu dois mourir! Je sais que je ne mérite pas votre pitié, mais je ne voulais pas causer autant de morts. Nous cherchions juste à obtenir notre liberté. Alors ta main, où est ta main? Où est ta main gauche? De la chanterie. C'est ce qu'affirmait Uldred. Vous ignorez quelles étaient nos conditions. Des Templiers qui nous surveillaient en permanence. La magie du sang n'était qu'un moyen, non une fin. Elle nous a donné, elle m'a donné, le pouvoir de me battre pour mes convictions. Voilà qui est fort louable. Mais la fin ne justifie pas toujours les moyens. Vous n'êtes pas sincère, Wynne, n'est-ce pas? Les changements ne s'opèrent que rarement dans la paix. C'est par les armes qu'Andraste a affronté l'Empire Tevintide, pas par un pamphlet virulent. Elle a réformé notre civilisation, libéré les esclaves et créé la chanterie. Tout cela ne s'est pas fait sans mort. Nous pensions qu'il fallait quelqu'un pour faire le premier pas, pour pousser à la roue du changement, quel qu'en soit le prix. Rien ne peut valoir ce que vous avez fait ici. Or, depuis qu'Uldred est devenu fou, nous sommes tous éparpillés, condamnés à mourir aux mains de ceux qui veulent réparer nos erreurs. Que puis-je faire d'autre? Je suis prise au piège.
Non, je vous en supplie. Ah, désolé, grosse, mais... Entendu. Oh, voilà, match de soin. Je voudrais causer un problème. Qui dit, ouais, mais t'as tué quelqu'un. Le match de sang, voilà quoi. Après, dans Dragon Age, vous jouez au défi. Votre cauchemar comme mon télé. Vous allez comprendre. Ah, j'ai gagné un cadeau. J'ai gagné un cadeau. Du coup, moi, je venais d'où? Ok. Besoin de quelque chose? Non, c'est impossible. Comment ça? Comment ça, non, c'est impossible? T'es en train de me dire que quand je t'ai transformé, tu peux pas? Bah. Un peu de subtilité n'a jamais fait de mal à personne. Salut les gars! Ouais, mais une créature bizarre et qui ressemble à une espèce de je sais pas trop quoi. Ouh, un coffre. Ça vous va? Ah, une lettre d'amour. Yeah. Je sais plus combien il m'en faut de lettre d'amour, ça le pire. Alors, je serai aussi furtif. Alors, hop. Je m'y mets. En garde, misérable. Je m'y mets. Waouh, waouh, l'orgie là. Oh, c'est qu'un petit fait. Vous voyez, hein. C'est bien fait de commencer par les autres, hein. Parce que ici, vous imaginez au level où j'étais, je serais. Putain, j'aurais tellement galéré. Mes soins, c'est possible là. J'ai deux heals. Ah, ça va, mais c'est bien aussi. Oh. Alors, qu'est-ce qui cachait ces bonnes enfoirées? Terminé. Autre chose. Un bâton. Ok. Ici, y'a rien. Ah, ici. Potion qui sert à rien. Est-ce que je suis pas mage? Un cadeau. Dommage qu'on peut pas avoir de romance. Attends. Je regarde son animé d'une légende tremblante. Ouvrez la porte. Voilà. Les démons sont partis. Je ne risque rien. Je veux pas mourir. Encore un mec dans une armoire, quoi. C'est... D'abord c'était un gosse, maintenant c'est lui. C'est un mec. Vous êtes sûr que tout va bien? Je peux prendre le risque. Putain. Ah! Oui. J'ai un tour de rein et je ne sens plus ma croupe. Pour l'amour du Créateur, regardez-moi ça. Ces démons n'ont pas eu l'ombre d'une chance, hein, pas vrai? Godwin, mage du cercle de Ferelden, pour votre service. Il y avait des démons partout qui me bloquaient la sortie cachée et tout petit. Mm-hmm. Que je veux, rester ici et dans mon placard le temps que ça starte. Pour aller où? Les Templiers ont barré les portes. Je vais plutôt rester ici et j'aviserai ensuite. Merci encore pour m'avoir sauvé. J'espère que nous nous reverrons. Sauvé, techniquement, t'étais dans un placard comme un rat. Alors tout le monde le regarde. Ouais. Le quoi, mais. Genre, ah mon dieu, oh voilà. Je... Ouh, putain, le trace de sang. Ah mon dieu, je vais pas devenir un mage de sang, non. Et là, oh mon dieu, je suis enfermé dans un placard. Oh, je fais de la magie. Ah, je te jure. Les mecs. Alors. Il doit bien rester quelque chose.
Ennemis en vue. Ah putain, c'était des ennemis. Là, je suis tombé dans le piège. Ouais, toujours buter les mages en premier. Hein. C'est vraiment la règle d'or dans ce jeu. C'est buter d'abord les mages. Parce que eux, ils sont tellement à faire chier avec leur attaque, quoi. Mais dans Dragon Age Inquisition, c'est les pires. Hein. C'est fini. Et maintenant ? Alors, continuons. Alors, il y a une porte là. Un peu de subtilité n'a jamais fait de mal à personne. D'abord le feu. Mal, hein. Laissez-moi respirer un peu, d'accord. Tu vas attaquer mon personnage? Ah non, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont à toujours exploser, ces bonnes enculées? Franchement, quoi. Alors, part en mode lac, t'as déjà tabernacle. J'ai cru qu'il y avait encore quelqu'un caché. Alors, quelque chose me dit que c'est par là. Je crois. On va d'abord fouiller. Tous les endroits. Là, je peux pas. Un cadeau. Ah, c'est bon combat. Bravo. J'ai compris. Alors, moi la paix. Donnons l'assaut. J'écraserai. Mieux vaut tard que jamais. Ah, immunisé quoi. Par contre, attends, il m'a donné une maladie. Je sais pas si je peux la. Je m'y mets. Non, c'est quand il sera mort, je pense. Eux, c'est vraiment les pires. Meurs. Je peux rien faire, le monstre, hein. J'ai deux heals dans mon équipe, c'est impossible que tu arrives à me buter. Laissez-moi respirer un peu, d'accord. Vous n'êtes pas de taille à affronter mon pouvoir. Hop là, tu vois, deux heals, mon gars, t'as aucune chance, hein. Allez, meurs tranquillement. Et hop là. T'as quelque chose à me donner. Voilà, revenant. Voilà, morceau de papier, cool. Ici y a rien. Ici y a rien. Attendez, je regarde parce que je sais. Petite sauvegarde des familles. Voici l'étude d'Irvine. J'espérais le trouver ici, mais sans trop y croire. Voilà. Est-ce que je peux te parler? On l'a. Je crois que c'était ça, hein, le cadeau. Je crois que c'était ça le cadeau. Je regardais juste après. Et voilà le travail.
du pognon. Attendez, je vais regarder si c'était bien ça le cadeau que j'avais trouvé. 3, alors. Magie et. Volonté. C'est quoi ça, lanceur? Ouais, on va quand même te continuer de te mettre en heal. Hein. Donc. Sombre grimoire, je crois que c'est ça. Inspecter. Cuir noir. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. On a trouvé! Trouvé. On a trouvé. Alors. Quelque chose me dit que ça, on doit aller là, mais je vais quand même aller voir dans la porte en métal. Parce que je suis un peu intrigué. Qu'y avait-il dans la porte en métal? Voilà, je vais voir pour petite sauvegarde. Non, c'est impossible. Ah, ok, d'accord, bah au moins on est fixé, hein, on peut pas. Attendez, je regarde. Donc, rez-de-chaussée, deuxième étage, ok. Bah, let's go, hein. Mais le matériel, ça va être tellement chiant. Tellement. Padadada. Alors, je crois qu'on va avoir une séquence de boss bientôt. Pas de conneries. C'est vraiment étrange. Je me demande où sont passés tous les mages. Ils sont morts, peut-être. Alors. Terminé. Autre chose. Plat, potion. Ok. Effectivement, hein, c'était censé y avoir plein de mages. Statue. Ah non, t'es pas sérieux. Pas encore cette devinette de merde. Ah. Ah, deux minutes, la bouche. Tout. Pathétique créature. Effectivement. Ah, mais. Eh, ça explose. Ouh, putain. Ah non! Le heal, s'il vous plaît! Oh, 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 oh! Les mages, on me soutient, s'il vous plaît, ma vie! Allez, je sais pas qui m'a fait ce coup-là, mais... Ok. Ça me dit qu'il en reste un. Oh, c'est là-bas. Ok, encre. La curiosité est un vilain défaut, et parfois même un défaut mortel, apparemment. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Aucune idée. Et là, tu vas pas me dire que si je veux découvrir le machin, je vais devoir m'amuser à... Laisse-moi deviner que c'est ça. Non. On va juste tenter. On a activé un truc. C'est pas ce que ça. Non. Bon. Là, il y a un ennemi. On sait pas ce qu'il fait. J'ai compris. Oups. Ok.
J'ai fini. Document privé. Et maintenant ? Waouh, putain. Ça fait combien ? Ouais, c'est bon. Non, je suis tombé dans le piège, t'es sérieux ? Là, tu l'as vu un peu trop tard. Allez ! Tu te libères ou quoi ? Bah, attaque ! T'as mon personnage qui veut pas attaquer. Voilà. Allez, ça balance. Vous imaginez. Enfin, franchement. Quel combat serait été fait. Enfin, quel genre de combat on aurait fait si on n'avait pas été de ce level, quoi. Je sais pas s'il y a. Ah, t'es sérieux? Oh non. Il y a deux heals avec nous, mais c'est tellement abusé. Et il y en a encore. Je serai aussi. Si, je l'ai vu. Non, c'est ça que je voulais. C'est bizarre, il y avait quelque chose droit devant moi. Là, faut pas y aller maintenant. On n'aurait pas mieux à faire. Tu es autre chose que le temps, peut-être. Ah, je pensais qu'il y avait un monstre au-dessus, là. Document privé. Ennemis en vue! Vous, mes serviteurs! C'est votre maîtresse qui l'ordonne! Oh putain! Sérieux? Je m'y vais. Non, t'es sérieux là? Je vais subir ça pendant combien de temps? Putain, allez, non! Ah, je suis pas fou. Voyons de quel acier j'ai fait. Laissez-moi respirer. Putain, j'ai un mec de mort. Bon, faut qu'on sorte sur ça. Ah, t'es pas sérieux là? Ah non, je vais mourir. Ah bah, je suis mort. Je peux même plus bouger. Putain, je me suis fait gambang! Bon bah, ok. Charger dernier point de sauvegarde, je sais pas où je vais recommencer. Putain, j'avais pas. Le pire c'est que il y a un templier possédé qui était resté dans la pièce et je me dis bon, je vais devoir m'occuper de lui, mais oh là là. Ah ouais, on recommence. Oh putain, non, t'es sérieux? Non, mon point de sauvegarde il est pas là quoi. Sauvegarde auto. Ma sauvegarde auto, elle est là. Putain, t'es sérieux? Ma sauvegarde auto, elle est là. Oh bah tant pis, on va devoir tout recommencer. Yeah. Bah par contre, on... Oh, t'es sérieux? J'ai même pas sauvegardé. Oh quoi. Ah bah, je croyais que je commençais tout. Une mort ne leur pas. Bon. Désolé hein pour ma.
Allez. Respirez un peu, d'accord. Allez, l'explosion, plaisir. Là, y a un mage là. T'es sérieux? Eh ben, c'est super. Putain, mais allez, pêche-toi. Allez. Et ton pouvoir, tu l'as pas utilisé, espèce de sale. Putain, mais je suis mort où déjà? Oh putain. Putain, quoi. Dégage, toi. Putain, et le mage qui apparaît comme ça, quoi. Et je suis mort où là? Où est-ce que je suis mort? Putain, je suis mort là, non. Mon pouvoir qui veut pas se faire revenir. Allez! Allez, mon pouvoir! Mais ça me ranime pas! C'est quoi ces conneries? Attends, il y a un problème là. Ah, attends. Ah, c'est quoi son sort? Voilà. Sort, j'ai pourtant mis son sort de vie. Résurrection. Ah d'accord, il était pas sélectionné, putain. Voilà, putain. Putain, mais... Ah oui, mais c'est vrai, je lui ai mis son sort, mais en raccourci de... Ah d'accord, putain, désolé. J'avais complètement oublié. Oh là là. Ouais, bien sûr, il faut que je me soigne. Hein. Non, qui est mort? Ah. Personne d'autre? Ok. C'est ça? Ah non, c'est pas là. Puis c'était où? Bon, il faut éviter de mourir comme le caca. Parce que ça a fait ça. Bon, cette fois-ci, on sait que on doit éviter la porte. Enfin, il me faut une stratégie en fait pour la porte. Bon, on va déjà sauvegarder là. Je vois un piège. Ouais, tu vois un piège. Il est. Et toi? Je peux pas te fermer à la gueule. Ah putain, toi derrière. Ah, ils sont chiants à exploser à chaque fois. Bon, il faut faire attention. Ok, ici il n'y a plus rien. Voilà, c'est ici qu'on est mort, je crois. Je dis pas de conneries. Je vois un piège. Ah non, c'est pas ici, c'est un peu après. Ok, bon. Oui. Avez-vous ma discussion? Sinon, nous n'avons pas de temps, il nous est compté. Non, mais c'est pas ça. Ce que je voulais faire, c'est... Le jeu, des fois, il... Donc, c'est la prochaine. Là. Non, c'est la porte d'après. Pff, le combat, là, que je me suis tapé, était assez chiant. Ici, il n'y a rien. Donc, c'est juste après.
Voilà, c'est ce combat-là. On va sauvegarder. Ok, bon. Donc, c'est ici que... Pierre... Voilà. Utiliser... Voilà. Je serai aussi furtif. Ah, mais... D'accord. Non. Soigne-toi. Ok. Ok. Du calme. Est-ce que... Un petit là. Voilà. Bah voilà, on a réussi. C'est cool. Les pièges ont bien été. On va me donner un. Oui. Avez-vous. Non, mais putain. Mais... Vous... Toi, c'est ça. C'est. Je veux. Voilà, alors attendez. Jamais je reste à côté d'un cadavre. On a réussi à passer ça. Ça fait 5. Terminé. Autre chose. Mettez à jour, vous allez voir, vous allez me demander de redescendre. Ouais, je fais comment là maintenant? Ah, par là, sans doute. Oh, il y a encore pas mal de ennemis. Regarde, je veux pas voir. Encore le rip. Ah. Encore créature. Je m'y mets. Laissez-moi respirer. D'accord. Alors, attends. Ah, ma... Il... Ah, c'est là, mais... Je m'y mets. 20 minutes, 2 minutes, toi. Voilà, maintenant, toi. C'est compris. C'est pas des mages, qu'est-ce que c'est. J'ai pas rêvé. Pendant le combat, il y avait pas des mages. C'est bizarre. C'est mage. Ah si, il y avait un épée en fait. Ah cool. J'étais ici, d'accord. Allons parler à la PC. Petite sauvegarde. Bah. Ah, il y a quelqu'un qui bouge, attends. Monter de niveau. Ah, allez hop. Petite
sauvegarde vu que j'ai fait les modifications. Alors, apaisé. Cette présence ma sérénité. Attends, quoi, il y a une statue? Attends. Ah, t'es sérieux? C'est ça. Ah non, tu vas pas me dire. Ouais, d'accord. Ah, c'est encore long là, parce que je me rappelle plus combien d'étages à la à l'endroit quoi. Attendez, je vais regarder. Bon, bah attendez, il est quoi? Il est 22h. Il faut y aller vite fait là. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai fini. Et document privé. Attendez, je regarde. Ouais, parce que là, on avance, mais on. Bon, bah, je crois qu'on va. Parce que sinon, je sens que l'immatériel va arriver, donc je préfère m'arrêter. Donc, voilà. Que dire de plus? Ben, la prochaine fois, ce sera samedi. Le vendredi, il y a. Bah, c'est fait Andromeda. Voilà. Donc, Camille, Nett, merci d'être resté sur le live. Je sais pas si Nett est encore là. Je crois que Camille était encore là. Donc, normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être pas de nouveau streamer sur Twitch, mais peut-être sur Beam. Faut que je règle les problèmes de. Ah, ok, t'es là, c'est cool. Net. Je vais peut-être aller sur Beam, parce que ça a l'air quand même beaucoup plus pratique, surtout pour les dialogues, parce que la barre des spectateurs en bas au milieu est un peu chiante. Que sur Beam, c'est la même barre, mais tu peux la mettre n'importe où. En haut, en bas, à gauche, à droite de l'écran. Ce qui est vraiment plus pratique. Et je pense qu'il y a moins de bugs. Donc, pour l'instant, ce sera sur Twitch. Je vous tiendrai au courant. Merci à tous les deux d'être venus. J'espère que vous êtes, que ça n'a pas trop bugué, que vous avez quand même pu suivre un peu l'histoire. Donc voilà. Net, je t'envoie le nom de mon arme après le live, donc d'ici quelques minutes, le temps de mettre le CD. Merci. Ça allait. Ok. Donc merci d'avoir suivi. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, des choix, si vous aurez fait des choix différents pour certains trucs, ce genre de choses quoi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc moi je vous retrouve vendredi pour Mass Effect Andromeda. Voilà, et bonne soirée, merci et bye bye.